cette condition et derrière il utilise sa frappe ou ce contre top spin du coup droit. Voilà. Patrick Baume, un nouveau service pour Alexandre Cassin. Ouais, c'est un joueur très très physique. Lorsqu'on l'avait repéré dans le programme d'été, ce qui sent le tennis de table. Pour réussir au très haut niveau, c'est pas la technique qui fait la différence. Hein. C'est bien souvent l'Européen aujourd'hui que aller chercher les Asiatiques, puisque ça doit être l'objectif. Et puis toute la tripotée de Japonais qui peut y avoir et de Coréens et tout, il faut un niveau absolument exceptionnel. Et c'est vrai que ça décourage certains joueurs. Hein. Pour se rendre compte que rien n'est impossible, mais effectivement, sur le papier, c'est très Christian, que le niveau d'entraînement ou l'intensité des entraînements est peut-être aussi tout autre. Forcément, la sélection, je dirais, est difficile à faire, mais par contre, ils ont vraiment l'embarras du choix pour catégorie d'âge. Hein. C'est-à-dire qu'ils commencent déjà à s'entraîner tous les jours à 5-6 ans maintenant. Content qu'on ne grille pas les étapes et puis que, bien sûr, on sélectionne correctement et surtout qu'on accompagne correctement. Il est né le 5 octobre 98. Forcément plus compliqué quand on arrive dans la catégorie des seniors. Mais voilà. Ah, superbe. Ouais. On a fait rendez-vous chez Adrien. Mais ça a été un très très bon joueur. Les joueurs français dans les 20. Pas donné, je crois, l'ordre des matchs à ceux qui nous suivent. Le match long, si nécessaire et si pas de changement d'un côté ou de l'autre. Puis bien sûr, Cassin face à Emmanuel Lebesson. Et déjà cette première rencontre, hein, quand même. Simplement. Alors c'est qu'on est dans une ville importante pour Paris, spécialisée dans la construction, dans le bâtiment, donc ça a du sens. Et l'idée, c'était de que ces jeunes espoirs du effectivement, en tout cas de parrainer des jeunes locaux. Hein, semble pas en pleine possession de ses moyens. Non. Comme on le disait tout à l'heure, en grande forme actuellement. Et ça. Alors ils avaient perdu 3 rencontres à une hein, lors du match aller Saint-Denis. Ouais. Enfin, la pause. Thomas. Serre là va prendre un petit peu plus de risques, va jouer forcément un peu différent.
Ouais, super, et absolument, qui passe à la vitesse supérieure. Très bonne utilisation de la main. Et ça aussi. Ah, il y a des supporters de Pontoise aussi hein, qui ont fait le déplacement. C'est une... droit maintenant ou jouer au corps. Ouais. Oh. Oh, quel poids. Très bien joué. Oh. Voilà, c'est fait.